Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. Pessimiste. 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 Finally, some French word that has that seems to have English syllables. Pessimiste. Pessimiste. Les gens pessimistes pensent que tout est difficile ou impossible. En fait, c'est tout le contraire de Moira. Il n'est pas têtu et il est très ordonné. Et comment sont tes enfants? Mes enfants sont adorables, mais très remuants. Dès qu'il fait beau, ils vont jouer dehors. Quelquefois, un peu têtu et très désordonné. Elle n'aime pas du tout faire le ménage. Quelquefois, un peu têtu et très désordonné. Elle n'aime pas du tout faire le ménage. Quelquefois, un peu têtu et très désordonné. Elle n'aime pas du tout faire le ménage. Quelquefois, un peu têtu et très désordonné. Elle n'aime pas du tout faire le ménage. Quelquefois. 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 Okay. I see. Situation. Sister. C'est un genre intelligent à travers. He is an intelligent and hard-working young man. C'est un jeune homme intelligent et travailleur. Lucky guess. La nouvelle secrétaire est sympathique et souriante. La nouvelle secrétaire est sympathique et souriante. La nouvelle secrétaire est sympathique et souriante. Souriante. Ah, souriant,
Souriant. Soyant. Souriant. Soyant. Soyante. Souriant. 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 Mes enfants sont plus désordonnés. Qu'est-ce que mon grand frère très ennuyeux, les gros caractères, les restes. My grandfather always makes big gifts. He's very generous with his grandchildren. Mon grand-père fait toujours de gros cadeaux. Il est très généreux avec ses petits-enfants. Mon grand-père fait toujours de gros cadeaux. Il est très généreux avec ses petits-enfants. Il y a beaucoup de problèmes personnels. Mon grand-père fait toujours de gros cadeaux. Il est très généreux avec ses petits-enfants. Oups. Anne a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Elle a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Anne a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Anne a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Maman. Maman. Anne a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Elle a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste. Et son moment. Anne a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment.
Anne a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Elle a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Anne a beaucoup de problèmes personnels. Elle est pessimiste en ce moment. Okay. How is this? Even lower than my previous attempt. Et Moira, ta petite amie, parle-moi un peu de son caractère. C'est une femme généreuse et intelligente. Elle est spontanée, optimiste, quelquefois un peu têtue et très désordonnée. Elle n'aime pas du tout faire le ménage. Elle est sportive ? Ah oui, elle est très sportive. Elle va au centre de fitness tous les lundis, elle joue au tennis le jeudi et elle va à la piscine tous les vendredis. Et ton mari, il est comment ? Mon mari est très gentil, intelligent et un peu pessimiste. En fait, c'est tout le contraire de Moira. Il n'est pas têtu et il est très ordonné. Et comment sont tes enfants ? Mes enfants sont adorables, mais très remuants. Dès qu'il fait beau, ils vont jouer dehors. En fait, c'est tout le contraire de Moira. Il n'est pas têtu et il est très ordonné. Enfin, est-ce que tu es contraire de Moira? Elle n'est pas têtu et elle est très ordonnée. En fait, c'est tout le contraire de Moira. Il n'est pas têtu et il est très ordonné. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu. Et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu. Et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Ordonné. Methodical, tidy, well-ordered. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu. Et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents.
Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Extrêmement compétents. Compétents. Compétence. Shit. Gentil, gentille. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Avec. With, it means with. Okay. Ce chien est très gentil avec les enfants. Il ne mord pas. Têtu. Têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. C'est impossible de faire changer d'avis. Tu es très têtu. Stubborn. It's impossible to make you change your mind. You are too stubborn. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. C'est impossible de te faire changer d'avis. Tu es trop têtu. Tu es trop têtu. Optimiste. Avec Paul, tout va toujours bien. Il est très optimiste. Intelligent. Intelligent. Marie. Petite amie. Désordonnée. 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 Sportif. Adorable. Adorable. Remuant, remuante. Remuant, remuante. Remuant, remuante. Not sure about this. Why don't we check French IPA chart? French IPA. So with send my world. Oui. Sounds like oui. Le mieux. This one. Oui. Okay. Caractère. 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 Spontané. Spontané. Ordonné. Ordonné.
Dans son bureau, tout est classé, rangé, nettoyé. C'est une femme très ordonnée. Généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Il partage tout ce qu'il a. Il est très généreux. Pessimiste. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Souriant. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications.
Eric est un comptable sérieux et très têtu. Et parfois, c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John, mon informaticien, est un garçon intelligent, un peu nerveux peut-être quand je ne comprends pas ses explications. Eric est un comptable sérieux et très têtu, et parfois c'est un problème. Quand il a une idée, il n'en change pas. Ils sont tous les trois extrêmement compétents. Voici ma petite équipe. Sylvia est une parfaite secrétaire, souriante, calme et ordonnée. John? Chut. Sympathique et souriante. Lucky guess. Like this.